Tolobaka tozali temple de vérité, tozali temple ya ba preuve parce que ezali mosala oto kosalaka butu moyi na temps réel ya ko informer bino nini ko se cacher na guerre ya Est République démocratique du Congo to betaka yango tolobaka yango mais lelo ba vérité bimi parce que toyi na moto o ya ko betela biso ba vérité na kati ya Congo Live Télévision lelo yo l'incarnation ya Simon Kimbangu ba oyo to koloba ete lelo yo mboka oyo République démocratique du Congo et l'imboka na biso tant auto ko lela kaboye bakoko bakotinda kape bato bakotinda ba message na bango lelo yo prophète de la nation mon mboka le grand prophète ya nation akobete la biso ba vérité lelo nini ya lina derrière ya guerre à est nini ezali ba situation à est République démocratique du Congo chef de l'état lobi été akodialogue te mais lelo ba vérité kobima. Parce que tout le temple est la vérité, temple est la preuve. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis un journaliste, je suis un congolais, je suis un bazali. Je suis encore longunya parce que tango ya nzambe eza ko continuer et tozo kende na kokokisama bilaka oyo Simon Kimbangu. Et c'est quand Wapinga na incarne ka molimo na ye alobaki nyonso simo kimbangu alobaki foka na baba ba yibingate sur le prophète Benjamin Kawanga kandila o nazali véritable incarnation ya molimo ya simo kimbangu parce que ba mtu so ba koza la incarnation ya nzoto nga nazali l'incarnation ya molimo topé na maloba o simo kimbangu azalaki nango puisque mtu mso sa koza tam sa zaki mkongo azaki musinimbo azaki na ekolo moko na Simon Kimbangu akolo banga na za incarnation na ye parce que azaki tata na ngai leki ya nani mais moi congolais originaire de la province de Maniema mais je suis véritable incarnation ya Simon Kimbangu na maloba ya Simon Kimbangu na molimo na ye surtout sous la l'inspiration sous l'autorité divine et des grands rois divins les prophètes messagers Emmanuel de mon père spirituel. Je vais vous dire que vous avez la vérité parce que vous avez la preuve, vous avez la vérité. Il y a la République démocratique du Congo où vous avez la population congolaise. Vous avez la guerre qui est cachée dans la guerre, la République démocratique du Congo. Vous avez la présidence parce que vous avez le prophète et la nation. Vous avez récupéré le pouvoir, le prophète et la nation. Vous avez le prophète et la nation. Mais nini okomona na kati ya scène politique ya République démocratique du Congo scène politique ya République démocratique du Congo lelo soki okotala yango okomona yango ndenge nini. Oui ndeko na ngai ma deuxième qualité on a lobaki te na présentation na yo ezali ke bao bayibinga pe bien nazali moko ya ba activiste ba révolutionnaire ya mboka oyo na biso ya Congo on a bunda on a zo continuer ko bunda pour na libération totale ya Congo. C'est comme ça que Dieu le Père Nzambe apesanga vision tant que nazalaki na prison ya aner tant que tozako kosenga départ ya Vincent Karega le Tutsi génocidaire là l'ambassadeur rwandais ndé tozalaki bato ali boso kosenga ngo bakanganga na ambassade ya Rwanda na bande komsusu là j'ai eu la révélation Kimbangu ayaki komema Lumumba apesanga c'est là que on avait créé l'union des Congolais pour la libération totale. Ça veut dire que dans la vision divine de Tuzanango, le Congo est vers la libération totale. Parce que le Congo est un peu plus grand. Malheureusement, bato ebele parce que baza basakoli de la nation lokola ngate bakoko comprendre en côté. Parce que même les événements, ebongaka faux prophète a révélé bino. Parce que Kimbangu, ça veut dire que c'est lui qui révèle les choses cachées. Alors, les événements à Congo, ils allaient prouver que Congo est kota déjà na Boumbu Yami Balé. Notamment la confirmation ya Boumbu Yami Balé, wana. Puisque ceux qui na zongi si na maloba ya Kimbangu, pour batouba comprendre bien, Kimbangu a loba ki boye, toko zwa indépendance Yami Balé. Or, pour nous zwa indépendance Yami Balé, il faut beaucoup de Boumbu Yami Balé. Donc le Congo et ses côtés déjà na Boumbu Yami Balé. Depuis que Katoyamba Afdel et a confirmé Boumbu Yami Balé. C'est pourquoi même quand j'étais à Kindu, nazo refusé ba Congolais toko ko célébrer les sous le 17 mai soit déjà mon la libération. Ça c'est une parenthèse. Je voulais seulement expliquer au peuple congolais que tozalaka déjà na Boumbu.
Yami Balé, deuxième colonisation des Congo à Zakanango. Et là, il y a qui confirmé que Yami Balé, c'est la présence de Monisco. La présence de Monisco, il y a qui confirmé que Yami Balé. C'est pourquoi nous avons fait une élite, Bissoba Mouvement Citoyen, pendant autant d'années, nous avons réclamé le départ de Monisco. Mais fort malheureusement, la classe politique de Nabisso, le Kola Bango Bayoka a 4 ans en retard, et surtout la plupart de Bazalaki n'a pas corrompu, parfois instrumentalisé, et surtout Bamsous Bazan a monde okitisia occidental, Bazoko Koka Kolobela Mindelete. Puisque Mindele, Bazaki, ba papa na bango ya milimo, ya banzambe ya ba étranger que Kimbango avait révélé, et Mindele Bazaki le Kola ba papa na bango. Mais heureusement, Dieu a fait à ce que notre frère le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse poser des actes prophétiques où il s'allie que l'élo, l'esprit à Kimbango et comme il faut agir et pas naïve. Premier acte, Azwa Kimboka a eu coupé Sango à Maboko et Nzambe Tatan. C'était où c'est un acte prophétique où il y a une grande dimension où il y a battu Bélé, Baye Bakate, Bamonango, le Kola et Oui, mais il manque de spiritualité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en conséquence, tout comme positif ou négatif dans la vie. Tu peux, je vais un exemple, si tu as un kindumba. Si tu as un kindumba, si tu as un kindumba, tu as un kindumba. Mais si tu as un kindumba, c'est après les années que tu as un kindumba et que tu manifestes. Il est là de même. Na makambo itali les actes prophétiques spirituels même soko sambeli lelo même soki otubeli lelo soki Dieu te fait pas grâce à kola kisayo la réponse est sur les chats. Oko kanisa ke tam sou prière na ngai kenda isekate. Or il y a une dimension prophétique à prière. C'est pourquoi na ko loba ke ne konabiso mwana mboka Félix Tshisekedi na ba onyoso batu ba loba onyoso ba ko sala mais il a posé des actes parce que les gens n'ont pas compris pourquoi ça, puisque le pays était réclamé dans maboko ya Nzambe. C'est-à-dire que Congo d'abord, ils ont créé ya Nzambe, mais ils ont dans maboko ya Nzambe. Oh, ils ont dans maboko ya Satan. Oh, Congo est dans maboko ya Satan. Mais oui, Congo est dans maboko ya Satan. Je veux dire, donc bakambino so ande koleka na Congo awa. Bazaki koleka sous l'influence de maboko ya Satan. Et surtout, Moutoyo a kotisa yango vraiment de manière officielle, c'était Mobutu. Et Moutoyo a qui ko renforcé yango, c'était Joseph Kabila. Oh, mon amboka. Je vous dis, yango nazo révélé ba peuple congolais parce que Mobutu azaki na l'esprit Alexandre le Grand. Avec 32 ans au pouvoir, et Joseph Kabila avaki dans l'esprit Alexandre Petit. 16 ans avec 2 ans moko zaki à transition. C'est ce qui fait que. Au total, les esprits et les manifestations à Mobutu, c'était pour amener le pays entre les mains de Satan. Et Kabila a dit qu'on renforçait Ango Lissousou. Joseph Kabila. Joseph Kabila, Kounda Lissousou, il y a Satan. Alors, c'est pourquoi Batebele, Bakolo, Batang, le président Félix a yé dans le pouvoir, Bissot, Ozaki, éveillé. Le Kolabazaki, Kangamana, Kabila, Tobanaï, Kote, les Melaye. Ce n'était pas parce qu'on refusait notre frère, mais Tobanaï, Kote, les Melaye, parce qu'il y a Kangamana, Moutouanati. Il fallait aller à Bakabonana Mutuana. Et on a fait non seulement des prières, des manifestations dans le Parlement et les aides. Dernièrement, j'ai failli mourir dans le départ à Mabunda. Ça, c'est une parenthèse. Mais et le Kodi n'a rien expliqué. Acte Wana est une grande dimension prophétique. Pour na kolongola mboka, na puissance ténébreuse, pour na ramener Angola Maboko en Zambie. C'est un grand acte où ils allaient vraiment a une connotation bénéfique dans mboka na biso mboka mboka élimine mboka Satan. Oui, mboka c'est bimaki na mboka Satan. Et quand tu dis mboka Satan, autrement aussi dit la puissance occidentale. Ah, il y a bokitiste franc-maçon maïkari, tous ceux qui dirigent au ezalé, malheureusement 90% ba politiciens na biso bazala ba maï banani wana de puissance même occidentale. Oui, je vous dis 90%. Et c'est pourquoi on a profité d'un micro, on a mis ce bango. Parce que la puissance divine va agir maintenant au Congo. Parce que Maboko, t'as là, Maboko est comme le Maboko en Zambie. Ce que y a au quotidien, c'est que nous, on a bilogo na wanyakindo qui on a négé. Et qu'on s'imbatte.
il y aura les courants, il y aura une contradiction spirituelle. Même la présidence, c'était Batoupe et Moli Bazali. Mais Bazali, Bélé, écoute, moi, quand tu as été avec Okoufa, mi balé, tu as été Koufaki. Oh, banane. Oh, mais qui t'a gagné sur Koufaki parce qu'il y a Zakir Babilo, quoi. Oh, nanani. Mais Bazali, Bélé. Alors, nanani, n'a pas fongolé, n'a pas cité le Bazali, Bélé. Même ceux qui sont là, vous devez cesser de faire partenir dans les puissances sataniques. Parce que les pays appartiennent des gens entre les mains de Dieu. Ça, c'est un acte prophétique alloué à celui qui a fait. Le président Félix, et que Dieu lui bénisse et lui protège. Parce que, Tobota Makabana est un Zambété. Fongola, fongola, population. Mais oui, Kabila, c'est un peuple, c'est un messie d'origine satanique. Au moment où il y a un Mouyawa, au Lingana, Fongola, il y a un journaliste. Il y a des gens qui sont d'origine satanique, il y a des gens qui sont d'origine divine. Différence, c'est Zagani. Au moment où Moutoua est d'origine satanique, il y a ta côté qui cité. Azaneka est Satan. Oh, Nandengeni. Mais oui. Moutoulogola Kabila, t'as continué de citer. Attendez qu'à Satan. Oh, Nini, vous voulez que ça Kabila. Mais je vous dis, Joseph Kabila, c'est quelqu'un d'origine satanique. Les gens ne sont pas là. Mais au moins, il y a un peu de choses. Est-il le Makamazo ça? Makamazo, il y a un peu de choses. Il y a une église. Alors, c'est parce que quelqu'un. Et puis, Azo Bumazana est à l'aise. On dirait, il y a un peu de choses. C'est-à-dire, les 100 points à y est normal. C'est quelqu'un d'origine satanique. Et ce côté l'isikoyo, la différence entre Yéna et Konabiso Félix, vous voyez que quelqu'un qui est d'origine divine. C'est-à-dire, au côté de Nandeko Félix, ce qui a se retrouvé devant l'ensemble de Dieu, il a la facilité de se prosterner, il a la facilité à Kotoubela, il a la facilité à Kosambela Zambe. C'est ce que les gens oublient. La dimension où Moukoulamema Mbokarambo Kwanzambe. Lorsqu'il amène un peuple, si un peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je lui exaucerai d'ici. Je pardonnerai son pays. C'est-à-dire que le pays était dans la malédiction. C'est ce jour-là qu'on a bénéficié du pardon. Ah, donc, jour où le président Félix a bénéficié et puis bénéficié d'un pardon à Nzambe. Oui, tu bénéficies d'un pardon à Nzambe. Et ça, exactement, même quand il faisait, je pensais que c'était des blagues. Il fallait dans un mangolou, na kende na kota na profondeur. Surtout quand j'étais à l'est, Dieu a commencé à me montrer qu'est-ce qui s'est passé à cet temps. Et l'autre ami balé Zalaki, deuxième parce que le ministre de l'Intérieur des Sacs. Il y a mis balé actuellement bossé la qui acte à bossé avec Kubunza. Je vois pas un truc parce que oui, acte mis balé et Zalaki qui a reconnaître la lutte du prophète Sibokiba. Du fait de reconnaître la lutte de Simon Kimbango, c'est un acte d'attirance de la bénédiction. Je ne parle pas de l'église Kimbangese. Moi, je ne parle pas de l'église Kimbangese. Je parle de la lutte du prophète Simon Kimbango. Son esprit. L'esprit naïe. Au moment où prophète Akufaka, mais Akufakati, il agit dans le spirituel. Ce qui moutoisoua Ngolou, le coup de la et pas Emmanuel Dodi, le grand prophète. Bakula Kisayo, que Emmanani, Simon Kimbango, Azala Kanamo Pepe. Il agit pour le Congo. C'est lui qui empêche les puissances ténébreuses pour nous balkaniser le Congo depuis longtemps. Oh, mais je vous dis, c'est lui d'ailleurs. Non, c'est faux. Ça va, Nakoko Mela. D'ailleurs, pour le plan satanique, c'était que le Congo s'est balkanisé depuis longtemps. Mais le père véritable de l'indépendance, c'est Simon Kimbango. Maintenant, tous allons commettre erreur de mon corps spirituel, ma casse. Toujours le baka Lumumba, toujours le baka Bakasavubu, toujours le baka Nego, mais toujours ça pour reconnaître celui qui s'est bâti sur le plan prophétique ou sur le plan spirituel pour que le Congo soit indépendant. Or, la Bible dit ceci, qu'il soit béni celui qui vient de la part du Seigneur. Kimbango étant venu de la part du Seigneur, lorsque Ozo Pambolaye, lorsque Ozo reconnaître, c'est toi qui es béni. Mon mystère est ça. Quand toi tu bénis celui qui vient de la part du Seigneur, bénédiction est ça, les autres. C'est-à-dire, les Congo, lorsque les Congo reconnaît, bénit Simon Kimbango en tant que prophète, c'est les Congo qui sera maintenant béni. Or, il a fallu la deuxième indépendance. Tant que tu as reconnaître que Moutou et Amema, première indépendance, ce que tu as reconnaître, c'est deuxième indépendance. Deuxième indépendance, et où tu n'es pas un an. Voilà. Oh, deuxième indépendance, il faut où tu as d'abord la reconnaissance du premier corps, Simon Kimbango, qui a fait leur deuxième indépendance. C'est comme ça que l'âme et l'esprit n'a eu quoi agir à travers maintenant les corps Nabiso, les corps prophètes Benjamin Kawanga et les autres, pour que toi arraches maintenant deuxième indépendance. C'est pourquoi deuxième acte
louable, prophétique. Oyo, président Félix Tshisekedi alobi, a sali, Ezali, qu'on reconnaît la lutte d'un prophète. Parce que lutte d'un prophète, Ezali sacré. Et donc, prophétiquement par là, bah, acte wana mi balé, PCP deuxième mandat. Ça, c'est une parenthèse, on en parlera. Tokende, parce que tout côté là, mais Moutouna Moko Ezali avant que tout le Kawana, tout le monde na place Moussous, oui. Même si je suis président de la République, à Bondi Mboka, na maboko ya et à Mimisi Mboka, na maboko ya Satan, Lilouyo, est-ce que Moukounjo Kokamabe vit la province à Kinshasa, à Zawapi? Ah, mais heureusement, les journalistes sont à l'inspirer. Parmi les recommandations que le chef de l'État n'a commandé déjà ma lettre Zawana, n'a si n'a commandé qu'il n'est pas chef de l'État, il y a maintenant une chose qui reste. Après avoir chef de l'État pour ça l'acte mis baléwana, n'a fongolé qui n'a pas qui et le Congo et pécié deuxième mandat l'État qui a continué le chef de l'État. Je voulais dire ceci. N'a pas élection Bozoya c'est Oyezoya c'est Félix Tshisekedi qui restera au pouvoir. On a n'engendam colo à la question. Mais c'est le prophète qui vous parle. Je suis le prophète qui vous parle. C'est-à-dire que les élections déjà sont déjà faites par Dieu. Zamba pèse déjà le temps de rester encore au pouvoir. Néanmoins, il y a une condition. Oezali, ma casse place au comme Nangawana, que Dieu a recommandé au président de la République, a ordonné à ce que le gouverneur Nyonce basse le même acte prophétique, il y a qu'on recommandé leurs provinces respectives dans Maboko Nzambe. Pourquoi? Parce que au côté là, selon la dimension politique du pays, les chefs de l'État attendent le Kana drapeau. Après les chefs de l'État, ce sont les gouverneurs. Attendent le Kana drapeau dans la province de Bango. Au moment où on a sali tourner l'Est, Maniema, Kisangani, Goma, Ituri, c'est là que Dieu m'a révélé, c'est tous quand j'étais à Kisangani. C'est-à-dire quoi? Il y a des pactes sataniques au Salema qui n'a pas province na biso. Qui là-bas gouverneur. C'est-à-dire, il y avait les pactes faits par le président, bah président, mais il y a aussi les pactes faits, ou les pactes font, parce qu'il y a plusieurs provinces, par les gouverneurs des provinces. Au bah livra qui peut bah province, nabango, nabamboka, nabamboka, satan. Ce qui est à la base même d'empêcher bah développement, il y a bah province. C'est le cas, par exemple, il y a ville, province à Kinshasa. Le gouverneur au Bozana est à Kinshasa, ou Betozana est à Kinshasa, parce que Nazar, Kinshasa, Azali sous malédiction. Oh, mais oui, je vous dis la vérité. Gentiling Gobi, c'est un maudit. Aza maudit, n'est-ce pas? Il y a un d'abord, tant que la makila ya, ya yumbi. Aza nango. C'est ce qui fait que, tant que péché province, mais heureusement ou bien malheureusement, c'était sous l'autorité à Kabila. Kabila, on est que l'ingabatoua n'engwana, ou babomi, makila, yende a récompensé à Kabango. C'est Kabila. Article à Kibiso, il y a le coup là, infiltration politique, politico-spirituelle. Parce que, nous avons expliqué, les infiltrations au Kabila, article à Kibiso, dans le Congo, ils sont terribles. Il y a les infiltrations spirituelles, il y a les infiltrations politiques et les infiltrations militaires. Oh, oui. Il y a un Kabila, article à Kibiso. Oui, article à Kibiso, vraiment, a miné le pays. Le Kabila a miné le pays. Le pays d'abord en français, il y a un Satan. Au niveau de la province, il y a des députés provinciaux, des gouverneurs, des bazali na makila. La plupart sont des démons. Alors, maintenant, conséquence de ces années, le président de la République a pèsé beaucoup ensemble. Les places de Congolais, les bazoïs, les sociales, les situations économico-politiques. Quand je dis aux gens que non, le président a déjà donné le pays, ah, toujours souffrir, prophète, oui. C'est parce qu'il y a une dimension. Le province, le gestionnaire quotidien, il y a la province, il y a Bazali Mabé. Il y a un système satanique et Kabili. Il y a une lumière dans mon livre. Et aussi, il y a une ville. On se comprend. Il y a une ville de Kinshasa malgré. Mais c'est pourquoi la ville de Kinshasa, à Tabosali Ndengenin, pour que si le projet Nabino et pas Angobila, lui-même il est le ténèbre. Ça va, ça bloque. Ils ont empêché. Le démarrage et la réalisation du projet. Il y a un projet qui est en train de se faire. Mais il y a aussi un projet qui est en train de se faire. Combien d'années? Comment vous pouvez imaginer pour nous réhabiliter Zando, il faut ça à 5 ans. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas lui, mais ce qui est dans lui.
Donc, Ngobila, c'est un maudit. Azana Makila, il y a ma malédiction. Et il y en a de même dans la province Belé. On se comprend. Maintenant, la solution, il y a une recommandation divine pour le chef de l'État. Il y a Kosa Lanine. Il doit ordonner. Na koma ki ango, j'ai adressé au président de la République. Depuis qu'il s'en gagne, c'était le 27 juillet. J'ai écrit cette révélation. Naya on a déposé dans le gouverneur, on a déposé dans Goma partout, on a déposé dans la présidence. Le chef de l'État doit ordonner à tous les gouverneurs, Bangope Bayan, ba offrir ba province na bango nyonso na maboko ya Nzambe tata en présence des hommes de Dieu ba sa la même prière zomona ya ko amener les repentances na ba province sans cela président Koleka mekora ekozana na ba conséquences belé il y aura plus de morts avant les élections pendant les élections et après les élections. Oui, parce qu'il y a la puissance ténébreuse. Ils sont liés à l'Occident, qui la Monisco. Ils sont liés à Kagame, et représentés par Kabila, au Congo. Et aussi, les systèmes où Kabila tika qui est. Et aussi, les infiltrations militaires. Parce qu'il y a des militaires qui sont, jusqu'à aujourd'hui, instrumentalisés, payés par Kabila, envoûtés par Kabila. Envoûté par la Monisco, envoûté par les Rwandais, parce qu'il y a les militaires rwandais dans notre armée. Ces gens-là, bah, ont déclenché plus de morts, comme ça a été le cas à Goma, bah, ont déclenché des morts à la population pour qu'ils aient tombé dans Moutouya, chef de l'État. Parce que chef de l'État a commis plus de problèmes à ces animaux. Parce que le col, il y a un livre qui moque beaucoup ensemble. Le monde des ténèbres, il y a ténèbres, comme ça, et comme ils ont attaqué. Moni bataki biso tozwa ka lokola basala ya Nzambe osambeli mutu tango longoli wana tenembre siko komi kolanda yo ne chef de l'état komi kosibira biloko wana tango apesi a honorer lu kimbangu le monde tenebre et italia mutu akomi obenda deuxième indépendance c'est ainsi que omoni l'esprit ya ko chasser Monisco et memier aibisi Monisco foboki. Donc, les dangers, nous avons dans la place où il faut que le chef d'État a ordonné la province Nyos, Jean-Tini Ngobila et les autres gouverneurs, ba benga basali en Zambé, ba sambela, pour la province, ba offrir en Angola maboko en Zambé. De manière détaillée. Parce que, au moins, ata ndekonanga nani pasteur Godem Poyi, boko bundana Jean-Tini Ngobila ko simbate. Ah, il est aussi batté pour nous. Mais aussi batté parce que Jean-Tini Ngobila, il faut nous attouber là. Parce que tant que nous avons la cérémonie à offrir la province, le premier citoyen à Kinshasa, il y a ville, il y a Ngobila. C'est-à-dire celui qui a le pouvoir spirituel sur tous les Kinois. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension spirituelle à Milokwana? Mais prophète, et aussi Ngobila, aussi longtemps que Yoko Oko Senga Awate, le chef de l'État a recommandé ba gouverneur, ba province. Aussi longtemps que Ngomoko Olobi na biso ya Jean-Tini Ngobila zali modi azali na makila, c'est que Jean-Tini a banda komi peto la yemoko pour que a permettre mboka et a permettre ville et bonza maboko nzambe. Na ngina biso, au moment où le chef de l'État a pesa ki mboka na maboko nzambe, il y avait des hommes de Dieu qui ont présidé cette prière là. Vous comprenez? Et Jean-Tini a bien appelé les hommes de Dieu, Bazali. Le problème, c'est que l'ordre est pas chef de l'État. Parce que Bazo, ça, là, sous l'impulsion, il y a chef de l'État, non? C'est lui le garant de la nation. Donc, tel père, tel fils, ils doivent aussi faire ce que leur père ou bien notre père a fait. Vous comprenez? Ce que le chef de l'État a obligé, Bango, dans l'occasion où on a, est-ce qu'on a évité que tant que le chef de l'État a salé la prière ou on a, ami Petola, il y a déjà dans l'an. Ah, si vous avez gentil, vous avez déjà dit que vous avez maudit. Vous avez déjà dit. Non, mais qui vous dit que même chef de l'État peut avoir une malédiction? Mais le col à salé qui est acte, il y a les vacuums malédictions. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous comprenez? Ça a commencé à libérer d'abord. Il y a mon condé qui a libéré Congo. Parce que c'est lui le représentant du pays. La même chose pour la province, ville-province à Kinshasa. Il faut d'abord gentil qui le fasse. C'est pourquoi Nazako révélé. Qu'on recommandait au chef de l'État, cette situation doit se faire avant ma élection. Sinon, il y aura plus de morts avant ma élection, pendant les élections et après les élections. Et qu'on a un nom sur le chef de l'État, comme les camps qu'on a fait à Goma.
C'est ça la stratégie satanique qui s'organise au Congo. Et ceci pour que Monisco aligné à ça la négrine a justifié que à Rokolongwate parce qu'il y a des situations qui se créent. Donc le monde ténébré, il y a Monisco n'a pas dit bah va préparer ça pour qu'il y ait les morts au Congo. Donc Gentili doit le faire si l'ordre du chef de l'État a reboué. Mais la vérité nous les a dit cachés derrière parce que tout le monde chef de l'État a boyi gouverneur na ba rebelle à M23 pour na dialogue a boyi yango la vérité nous les a dit derrière ba atrocité ba agression na guerre ya est la vérité zali. Oui évidemment de konanga journaliste c'est la vérité zali parce que la première vérité dans le bac qui est présence ya Monisco ezali koya ko officialiser la deuxième colonisation du Congo. Et je l'ai dit d'abord, bien avant, présence, il y a FDLR et AFDL, c'est-à-dire organisation et armée rwandaise, au Bazouakan de Konabi, sur l'aura de Zire Kabila. C'est là le début même de la guerre. Et guerre, il n'y a même pas de guerre à Rwanda. Qu'est-ce qui est là? L'Occident, le monde satanique occidental, a donné la gestion du Congo entre les mains du Rwanda. Oh, mais oui! Comme Nengenini, Occident va pêcher à la gestion à Congo, la première colonisation, na maboko ya Belgique. Donc c'est le Rwanda qui était appelé de nous diriger. Or, Rwanda, c'est la puissance satanique, c'est l'instrument occidental satanique. Alors, pour nous diriger, il fallait abomaka Nengenini Mindele Banoko Boma. C'est comme ça que, vous voyez, des créations de rébellions et Bano Salemanini. Alors, le Kola Bazaki na Massa na Bango Kabila, Azaki, instrument payé à Satan. Alors il fallait essayer de temps en temps. C'est pourquoi on nous a mis dans une situation, bah, créer une rébellion. Boye, bon négocier. Tant que vous négociez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez na politique, vous avez dit na armée, vous avez dit que vous ko futa que vous biso, dit ko vous avez biso, que vous ko sakara na système na biso. Ce qui est là, c'est que vous avez créé une rébellion. Vous avez négocié. Donc, au fil et à mesure, vous avez négocié avec Bango. C'est-à-dire, quand vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Parce que la guerre, ils ont fait les maillots qui ont inventé ou les Congolais. Non. Là, je dois féliciter aussi une des Félix Tshisekedi. Depuis qu'il est là, parmi les choses qu'il a faites dans la guerre à l'Est, ayebi ko alongo libiso na ignorance wana zalaki kozala o Congo ebundaka na M23 o CNDP. C'est faux. C'est avec le Mexique, Kagame et le Rwanda, il a identifié l'ennemi. Comment on peut gagner bitumba soki identifier l'ennemi? Donc je félicite le président Félix parce que à travers Félix qu'on a connu maintenant que ko identifier ennemi, ce n'est pas M23, c'est le Rwanda de Kagame. Comment maintenant qu'on négocie dans Rwanda na M23, que lui il a appelé les supplétifs du Rwanda. Et non, on ne peut jamais négocier avec M23 parce que M23 s'appelle Kagame. C'est-à-dire, on s'est moqué de tout un peuple. On s'est moqué avec tout un peuple. Mieux vaut mourir que de ne pas négocier avec M23. Ah, yango ko sale malelo, Félix Aboui négociation. Mais c'est là où je dis, je le félicite. Non seulement il a identifié l'ennemi et il a refusé. C'est pourquoi je dis que son refus là, il vient d'où? C'est parce qu'il y a l'esprit. Au moins, une connexion, c'est quoi la coupe, ça m'a beaucoup d'amour quand j'avais. Au moins, c'est quoi la connexion à reconnaître Kimbango. J'aimerais dire aux gens, Batumtsu, Baebinga, Kanazaki, trop dire pas président Félix. Le même président Félix qu'on a vu 2019, ce n'est plus le même. Au début, il y a c'est plus le même. Il a déjà un autre esprit. Batumtsu, on va comprendre dimanche soir. Il a déjà un autre esprit. C'est pourquoi mon biso tondo ko senga départ à Karega ba kanga biso na nere là le président n'écoutait pas. On nous a arrêté na nere. Maintenant que cet esprit là est venu, c'est la même chose même dans ta vie mon frère. Soko sali makamba mala mon esprit mala moyi o sali makamba mabe esprit mabe sali ni eyi. Et donc il a bien fait de refuser de négocier avec les Rwandais. Et c'est ça même la volonté de la population. J'étais à Goma partout. Population, je sais qu'on dit maintenant qu'on négocie dans le 23. Non. On négocie dans le 23. Tobunda, Soki Bango Baza Makas, Babou Mambiso, Bakanga Congo Nyos. Soki Baza Makas, c'était Biso, et Biso doit Makas. C'est quoi le cas qui empêche les amis?
makasi ya Congo, c'est la MONUSCO. Oh, MONUSCO ne m'a pas. Mais oui, MONUSCO ne m'a pas empêché Bissot Congo de jouer l'autorité de Bissot. MONUSCO est d'ailleurs la jeune ligne de Konanga journaliste. Namboko na biso na manière ma na zana tribu babengango basongola balo baganini. Soki batumi bale ba obunda. Hein? Leki nayo abunda na mwana mususu. Siko yaya yo lokoloza côté a leki nayo. Ozane makila moko. Okosala balo baka kesunga mikolo. Kesunga mikolo na tribu na biso lingi golobanini. Ozo pekisa na ndenge moko ya ko côté la leki nayo. C'est-à-dire, au fond, il y a Katika Tiwana, ce qui est le beti coup, au tiki, et beti, Muninga na yewana. Ce qui est Muninga na beti coup, yo saliboy. Au barré. Pour que ce soit le qui est le c'est ça la MONUSCO. La MONUSCO était toujours là pour empêcher à ce que les Congo aient beti à basson disant M23. Bah, supplétif et à Kagame. Puisque s'il n'y a pas la guerre, s'il n'y a pas le M23, la MONUSCO est en Congo. Et donc, le président de la République a totalement raison. Et c'est là où moi j'invite à nous tous les Congolais. Surtout Bissot, bah, mouvement citoyen. Parce que Bissot doit être différent de côté de parti politique. Les partis politiques, si ils perdent moins dans la souveraineté, ils sont contre le parti politique. Ils agissent par rapport à leur parti politique. Mais nous, les véritables Congolais, en commençant par les hommes de Dieu, nous devons soutenir le chef de l'État et soutenir cette vision-là. Parce que c'est authentique, c'est divin. On ne peut pas négocier avec les Rwanda ou bien avec les M23. C'est inacceptable. Et là, c'est à féliciter. Lisanga il y a 6 mois ou est-ce qu'on ne pas 6 mois bah ou azalé le mouvement on a au commun à mon dégaine. Ah d'abord on a croyé que ça va congolais balay bah makamba azalé. J'étais à Goma, j'étais là en tant qu'un mouvement, un prophète et aussi l'un des mouvements citoyens à solo là qui n'a pas de gobelet. Bazalendo c'est existe bazalendo ni golobani le peuple autochtone, les détenteurs de mabéré vous comprenez mais Congolais place foyer bakamayele. Biso toka ba Congolais. Mais ba Rwandais pe ba musu ba bibenga ba Rwandais. So ba ba se fitina Congo. Est-ce que ba bibenga ba Rwandais? Ba Congolais. Est-ce que réellement ba Congolais? Il en a de même dans mouvement ya Wazalendo. Le Wazalendo c'est ba autochtone qui défend notre leur terre ou bien notre terre. Mais malheureusement, le bisimo et puis Ndekwana o azoko réfléchir le oya église wana o le soin disant église Wazalendo. Wazalendo ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion. Wazalendo za kaka peuple o nyosha zali propriétaire ya terre, c'est-à-dire o nyosha de fond mabili na. Il y a les Wazalendo qui se battent. Baza pe na organisation na bango. Mais il y a une d'abord envoûtement, instrumentalisation. Il y a les fameux églises qu'on appelle aujourd'hui Bazalendo, ou est-ce qu'on a amené que Bandeko na biso bele bakoufani inutilement. Parce que, n'a qu'on révélé yo et l'okoumou qu'on dekona nga journaliste. Et Bandi wanate, ta la place, Bajé wane Bandi. C'est Bajé ya satanique, ya MONUSCO, ya Kagame, na ba bande na e baza e bele ya Kabila, ni disons infiltré même notre armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, au commune à Goma partout à l'est, la population ne voulait pas que, et ne veulent pas que, oui, il y a un état de siège et longwa. Oh, population est état de siège. Oui, population est un état de siège et longwa. Parce que l'état de siège a diminué sensiblement les degrés de mort. Aux autres, mais dans ce qui est estomaqué, même dans la pitié, Christ, récemment, dans un prophète, dans combien on a quitté son accouti, les politiciens, dans le parlement, dans le bino, il faut que l'on là, état de siège. Mais c'est quoi au juste? Donc, les politiciens qui agissent contre le courant, la volonté populaire. J'ai compris na koti na ma dimension yo c'était qui était fait dans les noirs. Voilà. Okay. C'est Kagame bande de Kabila de Katumbi elle est bande occidentale. De balinga que président de la République a tombé na piège wana ya Kolongola. État de siège afin que ba attaquer Goma lorsque ba ko attaquer Goma ba jui Goma qu'il n'y aura pas des élections. Et ba justifier leur carte au bazana ngo satanique. Carte. Tuer les gens, faire le coup d'État, ils sont allés beaucoup satanisme là. C'est-à-dire ils combattent le plan de Dieu.
Puisque Moutoua Zotele Mela Azali n'a volonté en Zambé pendant ce temps de Félix Tshisekedi. Ah, bon, on est sur la base. Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu, je peux vous dire que. Oebi, Martin Fayulu, bon, n'a pas de temps, n'a pas de temps. J'étais à Kindu, je vis dans l'Olali, dans mon Martin Fayulu a couché. Moutoua Zotele dirigeait Matanga, Martin Fayulu, c'était. Nani, Trésor King, un journaliste. Abenga Kolo Congo. Je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Alors, bien, ce monsieur est mort. Évidemment, je demande à Dieu, non, non, c'est un mort politique. Les gars de ce qu'a ça dit. Martin Fayulu a été corrompu par Kabila. Martin Fayulu a été corrompu par Katumbi, bande des étrangers. Oh. Mais malheureusement, c'est pourquoi on moni mort dans les politiques, ça déjà. J'avais même publié ça dans ma groupe Bélé, dans publié. J'avais dit, non, Martin Fayulu, bon, ça fait plus de 3 mois. J'étais à Kindu. Oh, mais bon, mon allélo. C'est déjà sa mort politique. Parce que Ndekonabiso wana a roko sala biloko azo sala wana te. Heureusement, décembre 2020, avant la kende kindu, moi je fais un son, je disais, mais manga tina, na bandundu, na kendo boto na Martin Fayulu, le chiffre 4. Na loba mon émission, batebele ya Martin Fayulu ba finganga. Je suis allé arracher à Martin Fayulu le chiffre 4. Ce qui faisait de Martin Fayulu, qu'il soit populaire, qu'il soit voté, décembre 2020. C'était le chiffre 4. Le chiffre, on a représenté la dimension prophétique de Simon Kimbang. Parce que le chiffre, c'est un mystère. Le chiffre 4 représente la 4e République. Ce qui va être le 4e président, il va interpréter le mystère prophétique. Donc, à partir de là, quand je lui ai arraché, accueilli, il va dire que c'est un bon Kabila. Kabila, il va dire que c'est un papillon. Martin Fayulu na muzito ba kaboni po ba wele imbongo ya. Mais oui. Mbongo ya Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a financé ba non. Na oyo msusu oyo Katumbi na ba biloko. Omona pourquoi ba classe politique na biso, c'est pourquoi Dieu a décidé que après Félix Tshisekedi mon côté na onyo so bozo mona na kozwa ka susu président c'était na mboko. Oh, je vous dis et je le signe. Après le temps ya président Félix, après le deuxième mandat ya Félix. Oui. Katumbi, Martin Fayulu, Matata, Chadari, Bemba, Kamere, et tout ce que. Bah, oh, docteur Mukwege, oh, Bahati, tous ces gens-là, personne ne passera président. Et bon, président, où t'es rapide? Dieu va susciter un homme de Dieu oh. qui prendra le pouvoir dans ce pays. Oh. Comment on le trouve ça le mercredi, hein? Le 27, hein? Bah, le 27, le 27, il y a 7e, il y a 9e mois. Révélation EPC après mandat, il y a président Félix Tshisekedi. Je après dis, deuxième mandat. Et je signe. Mon côté, la classe politique, il y a un président Azali. Parce que Bazali, il y a corruption spirituelle, corruption physique et corruption. Comment il y a un président de Kabila, mon Kabila a pillé Bissot. Il laisse le pays pauvre, il y a un à devenir milliardaire. Mais il te fait l'instrument, il y a un Kabila qui est bon. Ces gens-là, ils peuvent se moquer des peuples, mais ils se moquent jamais, on ne se moque jamais de Dieu. Et heureusement, Dieu nous a suscité en tant que ses prophètes. Parce que Dieu ne fait jamais une chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On est là, il y a une Biblia. Il y a Moïse Katumbi. Katumbi n'a jamais présidé le Congo. C'est un messier d'origine étrangère envoyé par les puissances sataniques occidentales. Oh. Mais oui! Bande konanga bobo san. J'étais nazaki ah oui nayaka trouana na Kinshasa. Comment expliquer non j'étais à Kindu d'abord. Comment expliquer Katumbi avant à kende ko sala soki dépôt ba proclamer yé candidat na parti na yé. Katumbi est allé se prononcer candidat na ba chaîne étranger. Ba ko ba tala ba sinte. Il était sur le plateau à TV5 France 24, c'est là où il a dit "Oh, je suis candidat président, je suis candidat président." Mais comment expliquer qu'un candidat doit commencer à se prononcer à l'étranger? Ça veut dire tout simplement qu'il est un candidat de l'étranger. Il n'a rien à voir avec nous. C'est pourquoi si nous tous les Congolais, on comprenait des choses, et même jusqu'aujourd'hui, on doit aller activer la loi Tchani de père et de mère. Et cette loi doit être encore renforcée. Même des femmes, épouses. Comment on néglige nos femmes congolaises et aller prendre les Rwandais, les Rwandaises ou les Rwandaises? Et est-ce qu'il y a des belles femmes sur la terre qui dépassent les femmes congolaises? Les femmes qui sont d'origine divine. Donc, je signe
Katumbi, exactement à cause là, à cause de ce qui est bâti et apostillé. Dans le Bible, à cause là, jamais président. Moïse Katumbi. Katumbi, que vous appelez Moïse Katumbi. Parce que Katumbi, c'est le nom de Moïse, il va être libéré. Ce n'est pas tout nom Moïse qui s'appelle l'esprit Moïse. Parce que Moïse est libérateur. Non, non. Et ça dit combo à Bimbambi, Moutonio, ça va. Bon, bah, Moïse, c'est pas ça, il est libérateur. Non, matata ponyo kuto na oteko zo vision na yawa ba il faut ba kangai kat na oteko zo vision na yazo tambula na chala mwana c'est ce que dit m'a montré. Oh matata ngana zo loba makambo nzamba la kisinga yo lengena loba yo te ngana zo bisane ko nzamba la kisinga c'est à dire que azo coucher na mort allez-y comprendre. Oh matata ko zalaka président je vous signe. À cause de la présidente, sa place mérite la prison. Faut qu'il ne coupe sa bise, mon monabise qui n'a pas. Madame, vous n'avez pas couché la mort. Oui. Tiens la moine. Oh, moi je vous parle des révélations certaines. La révélation que Dieu m'a montré. Dengue na zoaki révélation na zaki na février na mbokarangai Kailo à quelques kilomètres na ville à Kindu. Je vis. Nous avons la guichinga, Kabila, Bazo Bundana, président Félix. On a pris ce détail pour nous battre, mais nous avons loupé. Parce qu'un prophète a une mission, il a un détail, il a une vision. Il a un songe, et deuxième étape, il a la révélation maintenant, l'interprétation et songe. Il a un prophète qui a une mission, il a un songe, une grande chose. On va te dire les songes. Alors, après ce songe, on a un temps. N'accord de mon la prière, mon sur interprétation et songe. Comme la révélation d'Ango. Qu'est-ce que j'avais vu? Dans le Kailo, dans le territoire d'origine, dans le monde, le président présent ce qui est Bunda dans Kabila. Bazo Bunda. Et le premier à diminuer les coups, c'était Kabila. Azo Beta président Félix Bakou. Azo Beta président Félix Bakou. Justement, dans le monde, Fachi alati protection moko moni le ba boxer balata parce que ba kunyo so bazo betaye ezo suka na protection wana après chiko ya e ko ramasser a beti Kabila ba ku pa dernier coup Kabila ku pam pam ndina la muki na tuni kolo je me dis le mois na kailo kené na ville ya Kindu il y avait une cérémonie moko salema ke na Kindu so ki boyoka kibino ba journaliste dialogue et concertation ma fils de fille du Maniema. Alors, je suis allé là-bas, na côté kuna na mbalé bleu ko bango. En fait, quelle est l'explication de ce songe? Tu veux m'en montrer maintenant comment Kabila zo batu mzusu ba na na bino bolo ba na tchasa o Kabila zaki na na politique était à sala kana elo côté afanda na kimia. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Mais Kabila travaille à mal pour ce pays? Na ndinga molili. Mais oui. C'est ça les coups avant qu'on assimile le président Félix. Et que dit le président Félix représente la nation tout entière. Ne place pas tout. Vous allez nous parler de la opposant à Bani Nwanati. Moi je suis en train de vous parler en tant que prophète. Quand Bazo Beta un président, ça veut dire Bazo Beta le pays tout entier. Moi je ne suis pas dans vos histoires de partis politiques. Hein. Je vous parle en tant que prophète des nations. Alors, si Koyo, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Au moins, il bitumba au Baosa la Bino Namboka. Regarde ce message. Comment il est tenté de faire? Et nous avons dit que même dans le Kindu, nous avons un complot. Nous avons un gouverneur, nous avons créé même une armée. Tout ça pour nous déstabiliser. Nous avons un Kisangani. Nous avons un Kisangani belé. Tribu mi balé pour manaki. Pour nous avoir un belé. Oh, ma belé, nous avons un Kabila. Nous avons un Kabila. Nous avons un ancien gouverneur, Jean Tokoli. Dieu m'a dit, on a un système. Nous avons un salaire pour nous avoir un Kabila. Le chef de l'État qui est haut. Azaboye, Azekap. Et même les histoires des dollars, pour votre référent. Même les histoires des dollars. Et c'est bon, c'est comme ça que. Comment voulez-vous? Bah, comment vous réfléchir? Dollars, les gars, comment vous réfléchissez? Juste la veille à la élection. Les Congolais ne réfléchissent pas. Ça a été traité par les Kabila, les matates et les autres. C'est-à-dire, bah, je suis bah, bon, je suis 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 bon, je suis
Ce sont les coups qu'on donne au chef de l'État. Maintenant, pour qu'il y ait un coup, on a un hôtel. On a un hôtel. On a un hôtel. On a un hôtel. Ce sont les coups pour le chef de l'État. On a souffert de Kenor. On a un Congolais. On a un Afin que on ait confiance et pas étranger dans le Bango Katumbi. Vous voyez la stratégie que. Même ça dans le micro. La stratégie satellite à Kabila avec l'air Katumbi. Donc, j'aimerais dire aux Congolais que Kabila a fait beaucoup de coups. Et pas à président de la République, donc et pas dans le Congo, il y a un peu de la tête au Tikan de Konabiso. Tout suivre volontiers en Zambie. Nous serons encore là avec le président Félix. Dans 30 secondes, révélation de Zali Nango pour l'élection de Zali Kosalema. Révélation de Kolo Kolaksaoni pour l'élection de Mais la révélation, c'est que je suis en train de vous dire que le président Félix sera là après 2024. Mais pour que la construction se passe bien et les choses se passent bien, nous devons empêcher le plan de Satan. Le président de la République doit ordonner au gouverneur d'offrir les provinces entre les méridiens. Et les gouverneurs vont ordonner aussi aux administrateurs du territoire. Aux administrateurs du territoire de faire la même chose aux chefs de secteur. Parce que le pays tout entier, il n'y a pas à offrir de Maboko ensemble. Pour le Congo, ils ont la 4e République. La République est prophétisée par Simon Kimbangu et Kokomana Kisangani. Ah, on a révélation. Et je vous informe que dans cette révélation-là, Tokokota na Rwanda, on va chasser Kagame, va même le tuer. Et la province du Rwanda va entrer au Congo. Oh, ça sera. Je suis en train de vous parler en tant que prophète. Le Rwanda sera annexé au Congo. Et ça sera la fin définitive. Il y a guerre non seulement au Congo et en Afrique et tout entière. Parce que le Rwanda. Ils allaient constituer plus de 90% de nos frères Hutu Bantu, oh. Qui sont esclaves aujourd'hui du système satanique occidental. Et l'Occident commence à comprendre aujourd'hui, depuis 2019, il y a une guerre qui va sortir à l'Occident pour que l'Occident comprenne que le temps du Congo est arrivé. Comme ce fut encore le cas, guerre à 44, que Kimbangu avait prophétisé. Pour que libération y ait dans Congo, il fallait guerre à l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident a commis qu'on est derrière Félix, c'est parce qu'il n'y a pas de banga. Oh, nani, Russie, nani, Chine. C'est parce que Dieu a créé les circonstances. Ah. Et Kagame sera sacrifié bientôt. Oh. Très bientôt, là, nous allons entrer au Rwanda. Donc, il faut libérer Bande Konabiso, Bahutu, ou souffrir d'un esclavagisme à Kagame. On a un peu de temps. Exactement. Nous avons une émission. Maintenant, nous avons une émission. Une émission. Jésus-Christ, Kolo, à l'obaka na biso ete, soki toko mina tan de la fin, toko mona bilembo. Na banza ete, est-ce, moutouna nanga ezali, est-ce ou to zali komona lelo ezali bilembo ya tan de la fin, to zali nan, moutouna ni boso. La réponse est-ce quoi? Te, na koutouna moutouna, on a fait introduction. Oui. Moutouna ni boso. Ou komona pasteur Marcel Omnengeni. Bon, en fait, et le Célitina est un important pour Angaï. Est-ce que tous allez attendre à Souka ou bien? La première des choses d'abord, que Bande Konabiso et Bélé Batea Biente, Bazanga révélation, la différence entre le temps de la fin et la fin du monde. Le temps de la fin ou la fin du temps, ce n'est pas la fin du monde. La fin du temps, c'est une étape. Et ça, le coup, la yoye awa. Oui, qu'on sera musala lelo awo. Ce qui journée à lelo ici. Est-ce que vous avez dit musala na ici? Pour na lelo ko zonga na ndako, mais lobi ko ya lesus. Ça veut dire le temps de la fin n'est pas la fin du monde, ba ba ko sabinoté. Dans le temps de la fin, toko ken lelo la té. Le temps de la fin, ça se passe toujours, nous sommes sur la terre. Et le temps de la fin est déjà là. Parce qu'il y a déjà un grand prophète qui est à Paris au Congo, oyo Kimbangu a prophétisé. Le grand roi divin viendra. Il nous enseignera toutes les choses. Et je serai son représentant. C'est celui qui est déjà là, Emmanuel Doty, le grand prophète, le messager de ce temps, qui enseigne toutes les choses, qui est mon père spirituel, qui est le vôtre, qui est lui qui nous enseigne. Donc, je voudrais dire ceci. Le temps de la fin a déjà été effectif depuis le 17 décembre 1999. C'est-à-dire quoi? Il y a une mutation où la chute de l'Église universelle catholique et romaine est tombée. Et il y a une église qui est née au Congo, qui s'appelle l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Donc, le fondement des apôtres, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 19, et chapitre 2, verset 19 à 20,
Il y a deux fondements, le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire le premier fondement est déjà arrivé à la fin. C'est ça l'état de la fin. C'est-à-dire l'Église catholique et ses acolytes. Ils n'ont plus le pouvoir. Maintenant, c'est le temps des prophètes. Donc, ils m'ont été les prophètes annonciateurs. Donc, ce temps ici, c'est le temps des prophètes. Maintenant, est-ce que dans le temps des prophètes, il y a la manifestation du règne de Christ, c'est-à-dire le roi, le président, dont les quatre vont être dirigés selon la conformité de Dieu. Voilà pourquoi nous bénéficions que si l'État a offert le pays entre les mains de Dieu. Dans les jours qui viennent, il n'y aura que des hommes de Dieu qui vont diriger le Congo. Et ça sera partout dans l'Afrique et pour même dans toute l'humanité. Donc, le temps de la fin est déjà fait sur le plan spirituel. Et ils ont se manifesté sur le plan physique. C'est comme ça qu'on a un faux pasteur. Tout le pasteur, Marcelon, des prophète de Nilesi. C'est comme ça. C'est normal. Parce que Baza déjà dépouillé. Baza, il y a un peu au moins, Denis par exemple. Quand on a un peu de Marcelon, il y a un peu de pam pam. Denis Lesse. Il y a un peu de ah oui. Est-ce que vous avez un peu de français? Il y a un peu de non. Ou bien, parce que si vous avez un peu de étranger, il y a un peu de dans le baroque de Denis Lesse. Denis Lesse a mis un prophète des nations dans quel temps? Dans le temps des apôtres. C'est faux. Mais moi, je suis un don. Quand moi, don, je suis un don, je suis un don, je suis un don. Voilà pourquoi il y a une remise et reprise. Auprès, les grands prophètes et messagers Manu Dodo. C'est la remise et reprise. Tu as un don, tu as un prophète Manu Dodo. Après, on a commencé à faire un pétage et un pétage. Parce que la divinité n'est plus à lui. Oh, Denis Lesse est une divinité. Azati. Monsieur le moine, on va d'accord. Oui, pour Nabato, Bakolinga va contacter les prophètes des nations, l'incarnation de Simon Kimbangu, Benjamin Kawanga Mukandila. Bakoko Benganga, Bandeko Bazana l'étranger, plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Boko Zwanga Moko, ezala WhatsApp, ezala numéro normal. Je suis là à votre disposition parce que le salut est dans notre disposition. Le Congo va diriger l'humanité.